Salut tout le monde, c'est Sylvain Francisco de la chorale de Rouen. On va un peu écouter du rap français et du rap US. Let's go! Déjà Maes, c'est mon gars, on vient de la même ville, Sevran. T'es dans le même collège aussi. Bon, big up à toi, gros, on est ensemble, tu connais de toute façon. Franchement, ce son d'Ibala là, vu que j'écoute pas de rap français, bah la plupart des mégas qui viennent de Sevran ou un peu partout, on écoute ce son un peu partout. Et franchement, ce son en vrai, je le kiffe. C'est l'un des bons sons et tu peux dire que ça là, c'est un vrai travail acharné. En plus, il y a Jules. Jules, je l'écoute pas, mais je sais que Jules, c'est un artiste qui travaille beaucoup. Du coup, faire un son comme ça là, pour moi, ça m'étonne même pas qu'il ait 22 000 vues, 22 millions de vues. Et non, il doit en avoir plus. Big up mon gars en tout cas. Ah ouais, je me rappelle de ça. PNL. Comme j'ai dit, j'écoute pas rap français, mais ce son il est connu. Mais ce que j'aime bien chez eux, c'est que du jour au lendemain, ils peuvent apparaître comme ils peuvent disparaître. Et je sais pas c'est qui leur directeur artistique. Faire un clip à la Tour Eiffel, quand même, c'est fort quand même. C'est un son où je pense que quand t'es dans un mood un peu triste, on va dire, quelque chose comme ça, tu penses à beaucoup de choses, à quelque chose qui t'énerve de la vie ou quelque chose comme ça. Donc, mais c'est un bon mood et je sais que j'ai un peu écouté. Et voilà, c'est bien beau d'écouter ces sons, mais il faut écouter les paroles aussi. Troisième. Bon. On parle de Jeezy. Bon, tout le monde connaît ce son, il a fait un milliard quand même. Et ce clip-là, God's Plan, ça montre qu'il fait pas n'importe quoi avec son argent, qu'il investit sur beaucoup de choses et aussi il aide les personnes qui ont le plus besoin. Chaque truc qu'il fait, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à lui aussi, parce que c'est grâce à son travail, tout ça, mais c'est plus c'est grâce à Dieu qu'il a eu cette réussite-là, quoi. Et ça aussi, ça permet de montrer aux personnes que, voilà, qu'ils peuvent réussir eux aussi. Mais pour ça, il faut être acharné du travail et il faut faire les jokers, c'est quelque chose. Moi, je ne le connaissais pas au début. Franchement, j'ai écouté ses sons et il ramène un autre mood. Las Vegas, j'ai écouté aussi Las Vegas, j'avais écouté, je me rappelle. Bah, les gens qui sont en couple, quand vous avez besoin d'inspiration, écoutez ce son, quoi. Ce qui est bien, ce que j'ai bien aimé aussi, les chansons, les paroles, ils sont en français et que t'as mis des lyriques en anglais. Et c'est ça qui est bien parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens dehors de la France qui écoutent beaucoup de rap français ou de chansons françaises. Ils auront besoin d'écouter les paroles aussi, de savoir ce que c'est. Ce qui est bien, c'est qu'il a mis les lyriques et du coup, ça permet de savoir ce qu'il dit en vrai. Et puis en plus, les paroles vont bien avec le clip. Big up à toi. And I know how to fight. I tell you once, I'll tell you twice. Bon, Pop Smoke, R.I.P. rest in peace. Bon, Pop Smoke, je l'ai connu bien avant qu'il soit connu en France. Je l'ai connu déjà il y a 2 ans. Déjà quand j'étais à Miami, je me rappelle. Il y avait un son où c'était Baby Welcome to the Party. Baby Welcome to the Party. Bitch, I'm a thot. Give me leg. C'était un match où j'étais en train de jouer à la Miami Pro League, c'est là où il y a tous les joueurs NBA et tout ça. Et j'écoute ce son, j'ai dit, mais c'est qui a une grosse voix comme ça en fait? C'est quoi ce son? Du coup, j'ai demandé au DJ c'était quoi ce son. Et depuis, j'écoutais du Pop Smoke depuis longtemps et je le disais aux gens en France, quand il va arriver, ça va faire fort. Et je pense que les gens l'ont connu quand il a lancé Dior. Et là, c'était le début de sa carrière qui a commencé, mais malheureusement, il y a eu un drame. R.I.P. Mais en tout cas, franchement, ce qu'il a fait 50 Cent, c'est... Franchement, j'ai bien aimé l'album. Il a fait un vrai truc parce qu'on savait que Pop Smoke, son meilleur rappeur, c'était 50 Cent. Et ce qu'il a fait avec Lil Baby, Die Baby, c'était quelque chose aussi. Franchement, j'ai... Dommage, il n'y a pas le clip. Mais en tout cas, juste comme ça, là, c'est... Franchement, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ça, c'est un bon monde. Le matin, tu le mets, tout ça, tu vas à l'entraînement et puis voilà. Et vous savez, pour les gens comme moi qui n'ont pas trop une voix aiguë, qui ont une voix dégueulasse un peu, on chante quand même. Stick in the box. I'ma get lazy. Roddy Ricch, c'est l'un de mes meilleurs rappeurs. Je l'ai écouté, ça fait longtemps, depuis son premier album, Feed the Streets.
son tout premier album. Ce son-là, là, c'est vraiment ce son-là qui... Il était déjà connu depuis bien avant, mais c'est ce son-là là, qui lui a fait péter partout dans le monde, en fait. Ça passait sur Skyrock, tout ça. Même moi, j'étais choqué quand j'entendais à la radio. Je me dis, mais attends, pourquoi ils ne l'ont pas mis bien avant? Parce qu'il y a des sons bien avant, il était son meilleur, quoi. Après, pour ceux qui ont entendu son premier album et son deuxième, on voit que ce n'est pas du tout la même chose. Que là, il y a quelque chose de différent. On voit une progression assez incroyable, quoi. Ça, c'est le genre de son que tu peux mettre pendant l'échauffement ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça te ramène un petit boost, quoi. Je te connais par cœur, comme si je t'avais toujours connu. T'es ma meilleure amie, mon âme sœur. Attic. Et Joker, jamais écouté ce son. Entre nous, c'est physique. Comme la street, tu m'attires comme un aimant. Viens, on se taille. Viens, on file ici. Trop de jalousie, les jeux visibles. Bon, j'ai poussé un peu là. J'écoutais plus du Joker que du Attic. Parce que Joker, c'est mon gars. Et Attic, moi, je le connaissais pas au début. Je me rappelle plus de son blaze avant. Je l'ai connu à cause de la série Validée, d'ailleurs, qui est une bonne série. En plus, c'était pendant le confinement et j'étais avec mes deux meilleurs potes qui étaient chez moi pendant le confinement. Donc du coup, Attic, c'est un bon rappeur. Et en même temps, il y a un changement musical parce que la meilleure, je pense que aussi j'ai écouté du Joker aussi. J'ai écouté ses paroles un peu, tout ça. C'est plus en mode j'ai trouvé la bonne et maintenant on s'écarte de tout le monde et on va vivre notre meilleure vie, quoi. C'est un bon son. Ça, c'est un bon petit mood quand ta femme ou ton homme, il te manque. Donc voilà. Mais c'est un bon son. En tout cas, playlist finie. Ça m'a fait plaisir. Il y a des sons que je connaissais pas. J'ai bien aimé. See you.